Oh, ladies and gentlemen, we're live. Bonjour, dickheads. Salut les Français. Cet épisode va majoritairement être en français. Il y aura quand même un peu d'anglais dedans. Mais il y aura des sous-titres à un moment donné. Ce sera jeudi, le 1er avril. Donc si vous ne parlez pas anglais pour les parties anglaises, revenez. Et puis il y aura des sous-titres le 1er avril. English speakers, this one is... Oh, Jesus Christ. This one's mainly going to be in French. The show's mainly in French today, so the subtitles will be available on the 1st of April, thanks to Maxime Boutet. Here we go, ladies and gentlemen. Thank you for being here, and welcome to another episode of Paul Taylor's Happy Hour Live. Happy Hour? I'm not fucking happy. I'm angry. I'm always fucking angry. Oh, ladies and gentlemen, là, on est quel jour? On est lundi le 29 mars, et comme tous les lundis à 20h, je suis en direct avec un guest pour passer quelques heures ensemble à boire un coup et discuter avec vous, le public en direct, là, comme vous voyez avec les micros. J'ai plus qu'un guest aujourd'hui. Juste avant qu'elles arrivent, deux trucs à dire. Première chose, il faut que je remercie l'équipe à Rode Microphones. C'est la compagnie, en gros, qui fournissent pas mal de choses. En gros, il manquait deux micros. J'avais pas deux micros de plus, donc j'ai demandé « Hey, vous pouvez m'envoyer des micros en plus ?» Ils m'ont dit « Ouais ». Donc merci Rode. Ils m'ont aussi envoyé ce truc-là, cette table de mixage un peu professionnelle où je peux au moins brancher les quatre micros et éviter des soucis techniques. Si vous avez vu le live de Saint-Patrick la semaine dernière, c'était un enfer parce qu'il y avait trop de gens et j'arrivais pas à gérer le son et tout ça. Mais la table de mixage, c'est cool parce que ça me permet de faire des petits bruits de merde de temps en temps, genre... Exactly. So, merci Rode. Thank you Rode for the microphones. Deuxième chose, comme d'habitude, le show il est en deux parties. La première partie gratuite maintenant sur YouTube. La deuxième partie, elle va être disponible juste après la première partie, mais exclusivement sur patreon.com/Paul Taylor. Patreon, pour ceux qui savent pas, c'est une plateforme où les artistes comme moi et mes invités ce soir, en fait, on peut être payé pour le travail qu'on fait. Donc du coup, c'est un peu un système d'abonnement. Donc vous pouvez m'acheter des bières virtuelles. Et avec des bières virtuelles, moi je vous fournis du contenu en plus, c'est-à-dire la deuxième partie de ce live. Et plus de bières vous m'achetez, bah, plus de choses que vous avez en exclusivité. Donc voilà, patreon.com/Paul Taylor. C'est pour la deuxième partie de ce live. Et du coup, souvent, c'est un peu plus intimiste parce qu'on n'est que 60. Vous êtes que 60 à regarder le live, donc ça va être très cool. Ladies and gentlemen. C'est le temps d'annoncer, enfin vous savez qui sont mes guests parce que vous avez vu the thumbnail et toutes les posts et tout ça, donc on va les accueillir tout de suite. Ladies and gentlemen, please go wild, go fucking crazy this evening for the wonderful Les Coquettes. Oh ladies, yeah. Comment ça va? Installez-vous tranquillement. On est au top de nous-mêmes. Oh là là, bonsoir. Salut, bonsoir tout le monde. Hello. Donc du coup, salut tout le monde. Vous pouvez poser des questions au fur et à mesure de l'émission. C'est un peu vous décidez où on va. Vous posez des questions, on répond. Mais juste avant qu'on répond à vos questions, pour les gens qui connaissent pas les Coquettes, j'aimerais qu'elles se présentent. Et surtout, moi, je vais faire les boissons. Ouais. Avant le live, j'envoie des messages à chaque fois. Genre, qu'est-ce que tu veux boire? Vous avez des boissons très précises. Ah ouais. Non, parce qu'on n'est pas des énormes buveuses. Et ce soir, on a d'ailleurs assez peur de ce qui va se passer pour nous parce qu'on va être bourrés tout de suite, nous. Enfin, je veux dire, comme on est un petit peu en dépression avec la situation qui non, se je passe. Dire, en général, on est bourrés genre tout de suite. Enfin, non, je veux dire, non, mais ça fait longtemps qu'on n'a pas bu. Et là, on se dit, franchement, les meufs, venez, on boit ce soir. Okay. Ouais, donc okay. Voilà. Bah, je vais déjà préparer la première boisson que vous m'avez demandé. Et pendant que je prépare la boisson, présentez-vous. La caméra est là. Okay. Je dis souvent, pour donner du contexte, par exemple, ma mère, elle regarde chaque émission, même si elle parle pas un mot de français, elle va regarder les sous-titres après. Okay. Et donc, en gros, présentez-vous à ma mère comme personne, okay. Tu vois. Okay. Mom, I'm talking about you. Hi, mom. I know you're watching this. I know you're watching this. You won't understand, but you'll see the subtitles afterwards. I'm basically saying the girls are gonna present themselves to you, introduce themselves. Elle s'appelle comment ta maman? May, comme le May. Mois. May, oh, c'est trop beau. Comme dans mon voisin Totoro. Bisous. Au revoir. Je vais préparer les boissons. Présentez-vous. Qui vous êtes? What do you do? Alors voilà, bah, qui commence? Bah, moi. Allez, vas-y. Bah, on est les Coquettes, donc vas-y. Bah, moi, je m'appelle Lola, je suis un tiers des Coquettes.
Vas-y. Moi, je m'appelle Juliette, je suis un autre tiers des coquettes. Et Marie, la troisième, ou la première, ou la deuxième. Enfin, il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas vraiment d'ordre. Bah, qu'est-ce qu'on peut dire à part, on est amis, on se connaît depuis quoi, combien de temps? Depuis 12, 15 ans. Ouais. 12, 15 ans. Oh, bah, à la louche, quoi. Comme ça, 12, 15 ans. Voilà. On ne compte plus les années, quoi, en fait. On ensemble, on fait des blagues et des chansons dans un spectacle. Ouais. C'est plutôt pas mal. Et nos titres de chansons, ça va de Mon ami Sodo à... Au clitoris. Voilà. Non, il n'y a pas que c'est large. Comme je l'aime. Non, arrête cette blague, elle est nulle. Voilà. Bah voilà. On nous dit bienvenue et tout. Trop Salut sympa. Salut tout le monde, on est trop contents d'être là. Ça nous fait une sortie. Bah, une occupation, truc, on aurait dû jouer notre deuxième spectacle. Il y a trois mecs de l'autre côté, c'est tourner ménage. J'aurais adoré. Le cinéma. J'aurais adoré. Mais moi, ce que je recherche chez un homme, c'est qu'il y ait un travail. En ce moment, c'est pas facile. Mais ce qui est bien, c'est qu'on est tous dans la même merde, quoi, finalement. Donc, comment ça va? Il y a quelqu'un qui dit ça me fait penser au. Je peux pas m'empêcher de penser aux coquillettes. Alors, des pâtes, figure-toi qu'on nous l'a beaucoup dit. Alors, les coquillettes, les coquettes, les côtelettes, les croquettes. Eh ben non, c'est les coquettes. Merci Paul. Merci Paul. Oh, allez, Léo Bélaise. Tranquille. Ah, il y a quelqu'un qui nous a dit, je vous ai découverte récemment et j'adore. Bah, merci. Merci beaucoup. Alors, mais surtout, est-ce que tu baises? Ah oui. Ah mais je sais pas si toi, t'as la rêve. Ah ouais, t'as pas la rêve peut-être Non, parce que je pensais que c'était juste quelqu'un qui était très mal poli dans les commentaires. Non, pas du tout. Je l'ai mis à l'écran. Mais surtout, est-ce que tu baises? Do you fuck? C'est quoi la... En fait, il y avait une émission en France dans les années 80 qui était très connue, qui s'appelait Tourner Manège. Et en fait, t'avais en général trois femmes et c'était trois mecs. C'était le Tinder de la télé, tu vois. Il y avait un mur entre... Oui, exactement. Et il y avait une personne qui posait des questions à l'aveugle. Ouais, exactement. Nous, ça s'appelait Blind Date. Oui, il y a une parodie de ça. Bah, nous, c'est moins stylé, très, très connu. Le titre est bon. Et dans la parodie, donc c'était Les Inconnus. Tu connais Les Inconnus? Oui, enfin, non, mais... Voilà, ils étaient trois et ils avaient fait une parodie de ça. Et donc, à un moment, il y en avait un qui était horrible. Il avait des grosses binocles avec mille foyers. Et à un moment, il dit à la nana qui est derrière le mur, mais surtout, je voulais te demander, est-ce que tu baises? Voilà. Donc, c'est pas quelqu'un de très mal poli, d'accord, mais quelqu'un qui a la ref. Alors, les boissons, c'est donc Baileys on ice, Lola. Ouais. Et vous m'avez dit du vin rosé piscine. Rosé piscine. Comme des connasses de parisiennes. Non, mais ça veut dire beaucoup de glaçons. Mais tu sais, j'ai dû googler c'était quoi rosé piscine. Et j'avais plein de trucs différents. Genre, il fallait mettre du champagne dedans. Donc, je suis descendue. Oui, c'est possible. J'ai demandé à Fanny. Elle m'a dit non, c'est juste des glaçons. Alors, le rosé, juste, il faut que je dise merci à Jordan, du podcast Cadavre Exquis. Oh. Qui m'a invité il y a plusieurs semaines. D'ailleurs, c'est un allez écouter ce podcast, je suis dessus et puis c'est assez cool. Il m'a donné le vin de sa famille et je lui ai dit écoute, je vais ouvrir ça dès que quelqu'un veut du vin au live. Jusqu'à maintenant, c'était que des bières et genre du whisky, du rhum. Ouais. Donc c'est la première fois que j'ouvre le vin. Jordan, thank you very much. Merci Jordan. Jordan. Il m'a dit c'est pas Jordan. Jordan, ok. Cheers. À la fraîche. Santé. Santé. Oh là là. Oui. Yop là, attention au micro de chez Rode. Ok. À la vôtre. Cheers, cheers. Ouais, santé. Cheers. Moi aussi j'adore l'athlétisme. Mais pourquoi? Je sais pas. Je l'ai pas. Il y a quelqu'un j'ai qui pas a adoré tes lunettes, Lola, j'ai vu tout à l'heure. C'est vrai, merci. Ouais. Ouais. donc vous avez mentionné que vous faites des trucs. Je voulais juste montrer pour les gens qui vous suivaient pas tout de suite juste la page Instagram que j'ai trouvée sur je mets ça sur mon téléphone. Allez suivre leur compte maintenant sur Instagram. Elles mettent en ce moment plein de chansons, des petites mini chansons qui durent 30 secondes tous les jeudis. C'est tous les jeudis. Tous les jeudis à 18h, une petite chanson. Love it. Et leur compte est très drôle et très bien fait avec les visuels qui sont vous allez remarquer, moi ce que j'ai remarqué en fait, c'est qu'à chaque fois, elles étaient dans le même ordre. C'est-à-dire, oui, c'est... vous êtes assises là, oui. dans le même ordre que vous êtes dans on le. On ne se refait pas. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc allez les suivre on Instagram right now. Merci. Yeah. Fucking do it. Vous voulez parler quoi, les gens? C'est à vous de décider. Nous, ce que vous nous dites. Alors, c'est pas une robe, c'est une combi. Lola, ta robe?
T'es content d'avoir des meufs à toi, ta robe. Ah, Lola, ta robe est belle, c'est ça que... Bah, je crois, quelqu'un qui nous a demandé où est-ce qu'on peut écouter nos chansons pour nous découvrir. Sur les plateformes. Sur Spotify, Deezer, iTunes. Ah, vous êtes sur les... Ouais, alors, on a le premier EP qui était sorti sur toutes les plateformes. Nice. Et sinon, nos petites chansons qui sont tous les jeudis sur Insta. Ouais. Et sur Facebook aussi, d'ailleurs. Ouais. Et sur YouTube aussi. Ouais, on est un petit peu multiple, quoi. On se c'est quoi votre plateforme, c'est quoi votre moyen préféré de sortir votre travail maintenant avec le Covid J'allais dire la scène, nous, et de loin. J'espère que tu dises en temps de Covid. Ouais, parce que forcément, on kiffe tous la scène, c'est ça notre boulot à la base, et puis on préfère ça. Mais là, moi, j'ai créé ce truc-là pour parler aux gens et puis avoir du contenu pour eux et puis faire un truc. Vous, c'est quoi votre truc préféré en fait? Nous, il faut que tu saches, on était super nuls. Et comme on a beaucoup de temps maintenant, on nous a dit, les meufs, les réseaux, là, il va falloir s'y mettre. Donc, on est très, très Instagram en ce moment et on partage sur YouTube. On nous a parlé de TikTok. Ouais. Toi, tu l'as mais alors, moi, je comprends rien. Moi, je comprends rien. Voilà. Moi, j'ai essayé, j'ai fait 5 vidéos où je danse en pyjama pour tester le truc sur des corées des villes où je fais... des trucs comme ça. Et je crois que c'est pas... C'est, enfin, j'ai l'impression que c'est pas mon média, tu vois. Je suis peut-être trop vieille. C'est lui qui il nous veut pas, en fait. Il dit non, vous êtes trop vieille. TikTok, c'est spécial, ouais. Moi, j'ai essayé, là, récemment. Je me suis mis il y a 2 semaines pour un peu rebalancer des sketchs et des trucs que je fais. Et puis, j'y arrive pas, je sais pas. Mais votre format fonctionnerait bien, je crois, le truc. Parce que comme vous faites des Reels sur Instagram... C'est oui, c'est exactement le même temps que TikTok. C'est juste qu'en ce moment, TikTok, ce qui est bien avec TikTok, c'est que leur algorithme, en fait, pousse des trucs, tu sais, sur Insta. Oui. On te trouve pas vraiment. C'est les gens qui te suivent. Si quelqu'un partage, mais sur TikTok, sur ta feed générale, t'as plein de trucs que tu suis pas et tu dis, ah, ça j'aime, et que tu commences à suivre. Donc, eux, comme ils veulent être la plus grande plateforme, en fait, ils balancent tout de tout le monde. Et en plus, il faut être sur TikTok parce que tu sais qu'il y a un truc de ouf qui se passe en ce moment, c'est que les gens volent des sketchs. Genre Tania Dutel, que t'as reçu, je crois, la semaine dernière ou la semaine d'avant. Elle s'est fait voler. Enfin, en fait, il y a un mec qui a créé un compte qui s'appelle pas... En fait, elle avait créé un compte qui s'appelait Tania Dutel parce qu'elle s'est dit, je vais créer mon compte, même si je comprends rien à TikTok, elle est comme nous. Et il y a un mec qui a créé un compte qui s'appelle Dutel Tania, qui a volé ses sketchs, qui les a mis en ligne. Et il touche ses droits. Et qui touche de la thune, la thune. Bah, c'est pareil, moi, parce qu'on en a parlé la semaine dernière. Tu viens de donner un super tips, Juliette. Allez-y, n'hésitez pas. Mais moi, j'ai des sketchs pompés de moi sur TikTok, et puis c'est juste, et c'est tellement le Far West, comme vous dites. Question de Lauren Lanham, qui dit, comment vous vous êtes rencontrés? Eh bien, on raconte la vraie histoire. Je sens qu'il y a une histoire. Il y a une histoire dans l'histoire. Il y a une histoire média et une histoire vraie. Regarde, on fait un truc, c'est qu'on te raconte maintenant l'histoire média et dans une heure, quand on sera pété, on te raconte l'histoire vraie. Non, vraiment. Alors, la vraie histoire, c'est qu'on était toutes les trois dans une comédie musicale qui s'appelle Le Soldat Rose. Okay. C'était pour enfants. C'était pour enfants, un spectacle. On est devenus assez... Tu commences à mettre les mots dans le mauvais sens. Non, ça va. On était assez potes. Et on a travaillé 1 an sur ce spectacle, 1 an et demi. On est devenus amis. Et puis après, on a un peu continué chacune notre chemin professionnel. Et à un moment donné, on s'est dit, mais vas-y, on se manque trop, on ne travaille pas assez ensemble. Vas-y, on fait un truc. Et ce qui est fou, c'est que le destin a voulu qu'on se rencontre parce que toutes les trois, on devait pas faire ces auditions. En fait, toutes les trois. De la comédie. Ouais, mais vous n'étiez pas que les trois dans la comédie musicale. Il y avait plusieurs. On était 12 sur 7. Ouais. Et la vérité, au début, on s'aimait pas trop. Enfin, si, moi et Juliette, on s'aimait bien. Ouais. Et Marie. Et moi, je les aimais pas trop. Elle nous trouvait un peu pêche. Moi, j'étais hyper sérieuse, tu vois. Moi, je la trouvais chiante. Non, méchante. Elles étaient méchantes. Elles ont fait pleurer 2 filles. Moi, je faisais que suivre. Moi, j'étais. C'était la plus jeune. Oh, la lâcheté, quoi. La lâcheté, quoi. Bah, évidemment, j'avais 20 ans. Alors, moi, c'était mon premier spectacle. Je manquais de confiance en moi, tout simplement. Moi, j'étais super. Voilà. Ça me fait penser à un truc. T'as dit, vous vous êtes rencontrés à une comédie musicale. Ouais. Lola m'a appelé hier pour me dire, Paul, j'ai un truc à te dire. Tu viens de poster ta promo sur tes réseaux sociaux. C'est cool, c'est sympa, merci. Par contre, il y a un problème. T'as dit, qu'est-ce que moi j'ai dit? Un trio de comédie musicale. Mais je l'ai dit en anglais. I said a trio of attends, il faut que je retrouve. Attends, je t'explique comment ça s'est passé. Ami, je l'ai vu d'abord sur Instagram, c'était en anglais et ça m'a paniqué. C'est-à-dire que j'ai trouvé ça parfait. Parce que tu parles pas anglais. Parce que je parle pas très bien anglais. Et après, en fait, j'ai vu sur Facebook la notification, donc je suis allée et là j'ai vu que sur Facebook il y avait écrit le trio de comédie musicale. Alors, je viens de capter un truc.
Parce que je crois que comme ton Facebook, il est en français, il l'a automatiquement traduit. Parce que mon post, je poste jamais des trucs en français. Donc le post, je l'ai mis en anglais sur, sur Facebook. Oh. Mais Facebook m'a traduit automatiquement. Parce que Lola, elle m'appelle un peu énervée. Pas du tout, elle me dit, pas du tout énervée. Elle me dit, en fait, nous, on fait pas des comédies musicales. T'as mis des, moi, j'ai mis, my next guests are the musical comedy trio, Les Coquettes. Because in English... What they do is musical comedy. They do comedy that is musical. But in French, le mot comédie musicale, qui est Facebook a traduit incorrectement, exactement, veut pas dire ça. Pas du tout. C'est le mot anglais, c'est music. Quand tu vas voir une comédie musicale, c'est musical. Just musical. There is no comedy. Ah, voilà, c'est ça. Oui, mais est-ce que finalement, ça serait pas plus juste en français de dire, enfin, c'est pas du français d'ailleurs, de dire du stand-up musical. C'est ce que j'ai dit à Lola, ouais. Mais pas tout à fait non plus. Oui, mais c'est pas de la comédie. C'est-à-dire qu'on ne joue pas des personnages. C'est de l'humour musical. C'est le problème de notre vie, c'est qu'on a du mal à définir ce que l'on fait. Exactement. Bah, parce que c'est un format particulier. Moi, en français, je dirais, vous êtes des humoristes musicales. Oui. Oui. C'est un moment qui inclut stand-up le stand-up musical. Sketch. Pour moi, humoriste, ça inclut. Oui. Soit t'es humoriste stand-up ou t'es humoriste sketch ou t'es humoriste peu importe. Oui. Mais je trouve que humoriste, ça englobe your comedians and your musical comedians, which is why I said musical. What did I say? Musical comedy trio. Mm. Yeah. Oui, c'est vrai. En anglais, ça fonctionne. Bah, en anglais, c'est stylé surtout. Mais, alors qu'en français, tu sais quoi, maintenant, on va le comprendre. En français, c'est pété. On a un musical comedy trio. On va dire que ça maintenant. Voilà. Quand France Inter vous appelle, bah, alors Les Coquettes, c'est quoi? Tu dis, it's a comedy musical trio. C'est quoi? C'est Pantelon, il l'a dit. Non, mais on va faire ça, je te jure, on le fait. On va mettre ça dans le dossier de presse. Oui. Donc, ouais, c'est ça. Et en anglais, a musical. Un musical, c'est ce que vous appelez les Français une comédie musicale. Nous, on appelle juste ça une musicale. Et pour nous, a musical that's comedy. Enfin, c'est. Oui, oui. Vous êtes chiant à reprendre des mots anglais et les changer complètement. C'est vrai. Mais attends, peut-être c'est vous qui avez peut-être changé le mot. C'est peut-être ça. Dire. Hein? Mais voilà. Moi, la blague que je fais souvent, c'est que quand je suis arrivé en France et je suis arrivé à la Comédie Française, je pensais que c'était un comedy club. Oh, c'est trop bien. Parce que comédie en France, ça veut dire jouer, ça veut pas. Et in English, comedy, c'est exclusivement de l'humour. L'humour. Ouais. Ah ouais, d'accord. Et quelqu'un qui a dit, on dit actor. Ou comédien. Ah. Lorsque vous dites comédien, comédien et humoriste. Et humoriste. Ah. Musical stand-up trio, pas mal. Oh merde, attends. mon screensaver s'est mis. Musical stand-up trio, c'est ouais, bien. C'est pas mal. Moi, je dis on garde, ouais. Les Coquettes, welcome to Team Verlan. Qu'est-ce qu'on a dit en Verlan? Les Coquettes, attends, pourquoi, qu'est-ce qu'il... Ah oui, d'accord, ok. Alors, il y a un de mes fans qui s'appelle Fred, et toutes les semaines, il fait un truc sympa pour les guests. Je vais le mettre à l'écran. Je vais pas vous expliquer, mais regardez juste la photo et le nom. Enfin, je vais agrandir un peu parce que c'est un... Mais oui, c'est un mélange de nous trois. Arrête. Attends, les je vais. Attends, on dirait une infirmière. Les Kétékos. Non, je vais essayer. J'arrive pas à l'agrandir. Parce ah que ouais, si si, mais je vois. En fait, il a mixé nos têtes. Ça donc en haut bizarre. on a un col, on a mes cheveux en bas, on a ta bouche et les lunettes de Lola. Ah, c'est chelou. Mais attends, on est pas mal, je trouve. La meuf qu'on est ensemble, elle est belle, moi, je trouve. Bah, tu sais qu'on cherche un concept de nouvelle affiche, ouais, peut-être on va faire ça. Au début, on était parti sur un truc à trois têtes, mais finalement, une tête avec nos trois têtes, c'est pas con aussi. Hein. Attends, je vais voir. Parce qu'en fait, comme il y a souvent juste un guest, bah, du coup, il prend le guest, il met ses cheveux en avec bas. Ouais, avec tout le monde. Ah. Ça commence avec moi, et après, avec chaque guest, il prend la photo que moi, enfin, une photo de promo qu'il trouve, et il inverse les cheveux et la barbe. Ah, génial. C'est trop et bien. Il fait le verlan avec le nom aussi, donc les Kétékos. Les Kétékos. Plutôt que les Coquettes. Mais est-ce qu'il t'a mis ta tête aussi avec la nôtre? Ça aurait été drôle aussi. Non, je crois pas. Je crois qu'il a déjà suffisamment probablement galéré à faire juste vos têtes. J'essaie de prendre une screenshot pour que ça aille un peu plus grand. Attends. Je vais. Ah bah dis donc, t'es très belle! Attends, non mais c'est juste pour prendre ça. Ah bah t'es pas mal aussi Lola. Hein. Oh genre. God. J'arrive pas. Il est très bon ce rosé. J'arrive pas. Bah, il est bon le rosé? Moi aussi il est bon, je suis là. Il est bon mais faut que je me calme. C'est bon, il reste la moitié de la bouteille. J'arrive pas parce que je suis en train de contrôler mon ordinateur par terre avec mon ordinateur ici, ça fonctionne pas. Sorry. Fred, but good work with les Quéquettes. Ah bah oui, bah ça nous l'a déjà dit, ça sonne trop comme les Quéquettes. Bah oui. Maxime Boutet, c'est mon sous-titreur, il vient du Québec et puis il fait les Quéquettes.
C'est lui qui fait les sous-titres. Maxime, tu vas un peu galérer avec les sous-titres aujourd'hui. Enfin, tu verras. On parle en même temps. C'est insupportable. Ouais, ouais. En fait, les coquettes m'ont dit il y a un truc chez eux et leurs producteurs et la production en général, c'est que en fait, elles parlent tellement qu'ils ont créé un jeu. Dites-moi, expliquez-nous, c'est quoi le jeu ? En fait, c'est nos pianistes, nos pianistes et nos techniciens quand on est en tournée. Ils essayent de placer un hop dans la conversation. Quand il y a un blanc. Et dans toute l'histoire des coquettes, ils n'ont réussi à placer que deux hop. Donc hop, H-O-P. Ouais. D'accord. Hop. Donc c'est ça le challenge, les gens. C'est impossible. Que s'il y a un trou où elles arrêtent de parler et qu'il y a un blanc, vous tapez hop dans les commentaires. Voilà. Comme ça, on voit et on dit merde, il faut qu'on continue à parler. Mais nous, on n'aime pas perdre, hein. Donc il n'y a pas moyen. Mais... De toute façon, c'est naturel. Non, mais c'est ouf d'avoir toujours un truc à se dire. Ouais. Toujours un truc à dire, tout court, en fait. C'est, oui. C'est pas toujours de la plus haute importance, hein, on te rassure. Ah non, mais il y a toujours un truc à dire. J'ai vu quelqu'un qui a dit ça vous a jamais tenté une carrière solo. Quand on a cherché le thème de notre deuxième spectacle, ce thème est passé par là. Hein. Mais bon. On y a pensé. De faire une carrière solo. Ouais. Bah, tu gagnes trois fois plus. Carrière solo à trois, parce que c'est quand même plus facile. Peut-être tu gagnes trois fois plus, mais c'est peut-être trois fois plus compliqué de remplir tout seul parce que t'as pas la communauté. Non, mais moi, franchement, je vous admire, les gens qui sont seuls sur scène. Oh là, je pourrais pas faire des tournées tout seul, être tout seul sur scène. C'est un peu chiant, ouais. Enfin, des fois, si tu. Moi, là, pour tu la veux deuxième. Qu'on en parle un peu, Paul. On est là pour toi, si tu veux. Moi, je m'allonge sur le canapé, vous faites les psys. Et je lui dis, en fait, ce qui va pas dans ma vie, c'est que je me sens seule. mais en vrai, pour la deuxième, parce que la première tournée, c'est comme si c'est la première tournée, il n'y avait pas beaucoup, on ne savait pas si j'allais remplir et tout. Ouais. Je suis allé tout seul. Et donc, c'est un peu déprimant. Mais la deuxième, avec le deuxième spectacle, enfin la tournée, les deux mois avant la pandémie de l'année dernière, janvier, février, mars, j'ai fait, je crois, une dizaine de dates. J'ai ramené une première partie avec moi. C'était assez cool. Et en plus de ça, à la fin du spectacle, j'ai demandé à tout le monde. Dans le public, genre c'est où le bar irlandais le plus proche et on se retrouve après le spectacle. Trop bien. Et du coup, on allait avec ma première partie boire des bières après. C'est la vie d'avant. Maintenant, je bois des bières tout seul ici dans mon studio et une fois par semaine, j'ai des guests. Bah voilà. Il faut boire du Baileys. Mais tu sais, j'avais déjà le Baileys dans le frigo parce que j'avais fait une émission de la Sainte-Patrick. Et du coup, on a fait des Irish Car Bombs. Je sais pas si tu connais Irish Car Bombs. Non, alors je connais Irish Coffee, mais Car Bomb, c'est quoi ? Irish Car Bomb, c'est un shot de Baileys, à moitié Baileys, à moitié whisky irlandais, dans une demi-pinte de Guinness. Enfin, la Guinness, tu la finis un peu. Sur le champ, moi, je suis un coma éthylique direct. Direct. donc, ouais. All right, my question to Laura. Ok, il y a quelqu'un, deux personnes qui veulent la même question. C'est Laura Granise. Je vais remonter dans les commentaires. There we go. How do you act? Oh, ok, c'était un truc entre eux. Ils se parlent entre eux, les gars. Vous avez votre vie sans écoutez, nous, faites votre vie, hein. Ok. Je me demande, est-ce que on ferait pas genre une chanson Lala? Bah si. Une chanson Lola. Avec plaisir. Lola, elle a ramené le ukulélé. Il faut savoir qu'il y a une petite histoire avec ce ukulélé. Alors, voilà, elle m'affiche à chaque fois. Je t'affiche pas. Non, la première tournée, on travaillait tout le temps, on cherchait tout le temps des idées, puis on s'est dit tiens, quand t'es en tournée. En plus de tout le travail que tu fais, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Non, on s'est dit, on va être ensemble tout le temps. Et venez, on essaye d'apprendre un nouveau truc, un truc qu'on n'a jamais fait. On s'est mis au ukulélé. Et moi, j'ai vite arrêté. Ouais, elle a lâché. Parce que le ukulélé, il faut dire ce qui est, c'est pas très beau comme son. Oh non, si, non, alors, je me sens attaquée. Non, mais... Alors ma femme, moi j'ai un ukulélé à la maison. Ouais. Qui, quand j'étais dans une ancienne vie, quand je bossais avant, je suis parti à Hawaï pour une conférence, pour faire une formation. Ouais. Là-bas, j'ai acheté un ukulélé et puis tous mes étudiants, ils ont signé le dos. Et donc, du coup, j'ai trouvé ça stylé. Ouais. Et j'essaye de jouer. Et puis, à chaque fois que je joue à la maison, ma femme, elle me dit « Ta gueule, c'est nul !» Mon mec, il est pareil. Il me dit « T'es sûr ?» Il est très gentil. Il m'a offert un ukulélé, mais il me l'a offert à contre-cœur. À contre-cœur. Parce qu'il t'aime. Ouais, et il se dit « Le ukulélé, c'est vraiment l'instrument qu'on a inventé, mais on n'aurait pas dû. » Non, il y a pire, il y a la flûte à bec. La flûte à bec, c'est chaud. Et bah, figure-toi que moi, je dois avoir des prédispositions parce que j'adore le ukulélé et la flûte à bec. Non, ah non, c'est pas possible. Écoutez, dites dans les commentaires, on est d'accord que la flûte à bec, c'est le truc le pire au monde. Il faut quand même leur dire que si vous venez nous voir en spectacle, il y a un piano, c'est pas du ukulélé. Ouais, sachez-le. Non, mais il y a aussi du ukulélé. Il y a du ukulélé, mais pour tous les fans de ukulélé, sachez que je serai là avec mon ukulélé. Alors, dans les commentaires, j'ai une fan de Hawaii. Elle s'appelle Kelly Garcia et elle dit. Not ukulélé. Genre elle non plus visiblement elle n'aime pas. Et vu sa tête dans le truc aussi, on dirait qu'elle en a marre. Genre, de non, s'il vous plaît. Putain, ukulélé. Non mais voilà, non mais franchement, tu vas voir, ça va être bien quand même. Kelly, c'est ça?
C'est Cali, ouais, Cali de, bien. Le pire, c'est la cornemuse quand même. Franchement, je suis d'accord. Non, le pire, c'est la flûte à bec. La flûte à bec, c'est de la crise de merde. Ah, c'est Maxime du Canada. On est d'accord que ça, c'est de la merde. Parce que des fois, les Québécois, ils disent des trucs à l'inverse de nous. Genre, par exemple, je sais qu'ils disent « Ah, franchement, c'était dégueulasse » pour dire un truc trop bien. Donc, on est d'accord que c'est de la crise de merde. De merde. C'est la crise de merde. C'est de la crise de marde. Ça veut dire Paul, c'est de la merde. On est face à un petit problème, c'est que Juliette commence à monter dans ses aigus et à parler plus fort. Oui, c'est-à-dire qu'elle va finir l'interview, elle va faire « Il y a quelqu'un qui a dit « La flûte à bec, est-ce que c'est un truc sexuel ?» Absolument. Bah, ça dépend, tu peux la mettre où t'as envie, hein. Tu fais ce que tu veux chez toi. Hein. Attends, juste pour clarifier, la flûte à bec, c'est le truc à l'école Oui, oui, l'horreur. Putain, tu fais hyper bien. Vachement bien. C'est parce que ma fille, elle en a un, et puis du coup, ça fait ce bruit-là. Un recorder, on dit en anglais un recorder. Ouais, Moi, je sais pas siffler. Moi non plus. Arrête. J'arrive pas. Attends, je vais te montrer mon maximum, ok? Attends, genre le truc le mieux que je peux faire en dans le genre. attends, moi. Non, moi, je suis assez douée. Tu es max. Ah ouais. Petit oiseau. Oh la chance, j'adorerais savoir siffler. Et t'arrives pas à faire les trucs avec les doigts? Non, jamais. Moi non plus. J'ai essayé, mais je me crache dessus. Apprends-moi. Bah, en fait, moi aussi. C'est plus simple de faire les quatre doigts. Ouais, les quatre doigts. Attends, tu fais quoi? En fait, tu prends un tuto. Attention, ce tuto de comment siffler. Voilà. Tu prends les quatre doigts. Ouais. Et tu roules la langue. Tu plies la langue. Voilà. Et ensuite, tu souffles. Mais attention, pas dans le micro. Ouais, en plus haut du micro. Oh la chance! Je pense que c'est génétique, on n'arrive pas à nous. Non. Voilà. Non, mais parce que nous on est très doués avec Paul pour plein de trucs. Et vous êtes. Voilà. Ah, par contre, ça sent le gel hydroalcoolique dans ma bouche. Roy, on va faire une chanson. Raté, hein. Ladies and gentlemen. Ouais, vaut mieux qu'on chante, c'est mieux. Tu veux qu'on fasse quoi, Paul? Bah, c'est comme vous voulez. S'il y a une chanson que vous êtes en train de jouer en ce moment, qui est genre la chanson, la nouvelle sur Instagram, whatever you want to do. En fait, tu sais quoi? Peut-être on peut faire Mon ami Sodo parce qu'on a voulu la chanter pour France 3 et on a été censuré. Alors, Mon ami Sodo, My friend. Sodomy. On le raccourcit pas, nous, parce que c'est tellement c'est long et chiant. Tu la connais, cette chanson? Non. C'est R. Le musical. Ah, je l'ai pas vu. Tu l'as pas vu? Eh ben, il y a une chanson qui s'appelle... Ok, good. I like it. all right, well, Mon ami Sodo, My friend Sodomy. Non, c'est vraiment My friend Sodo. Ouais. Oh, ok, vraiment. My friend Sodo. Chanter Mon ami Sodo, chanter en ré ou en mi? Dis donc. Oh, je croyais que c'était toi. Patrick Schnelluli. Mon ami Sodo, chanter en ré ou mi? Est-ce que vous savez, juste en parlant de ça, pourquoi, c'est parenthèse totale, mais sur le pourquoi en anglais il y a A, B, C, D, E, F, G, oui. Et vous c'est Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, quelque chose? Je n'ai aucune idée. Je sais pas. Ok, cool. Si vous savez, j'ai envie de savoir. Parce que tout à l'heure, Lola, elle était en train de m'apprendre pour que moi, tout à l'heure, je puisse jouer la guitare en même temps que le ukulele. Et on se comprenait pas sur les accords parce que moi, je connais pas ré, do, mi. Mais attends, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a moins les accords anglais quand même, hein? Finalement, je connaissais les accords anglais. Oui, mais là n'est pas le propos. Bah, j'aime bien quand on parle de non, moi. Non, mais est-ce qu'il y a que nous qui faisons ça ou par exemple les Italiens ou les Espagnols, est-ce qu'ils ont do, ré, mi, fa, sol, la, si, do? J'imagine que c'est italien. Ça sonne italien pour moi. Do, ré, mi. Ouais, je sais pas. Sol, non, je suis pas sûre. Hein. Sol, ça fait un peu allemand. Do, ré, mi, ça vient de l'italien, je crois. On va jamais la chanter, cette chanson, moi, je crois. Ouais. Do, ré, mi vient des premières lettres d'un truc latin religieux. Attends, are you sure? Do, ré, mi. Attends, c'est Wikipédia ou c'est source sûre? C'est du Wiki. Do, ré, mi, c'est historique, mais en anglais, c'est du Wiki YouTube Live. right, la chanson, Mon ami Sodo. Ouais, on y va. Girls. Take it away. Je vais essayer de gérer le son en même temps. DJ Paul au platine. right. Vous êtes prêtes? Ouais. Ouais, peut-être que vous faites juste un test, je sais pas. 1, 2, 1, 2. Hey. Ouais. Vous y êtes? Oh, qu'est-ce qu'il y a? C'est de la buée sur... Mais ouais, je sais pas pourquoi j'ai de la buée. C'est parce que t'as chaud. Allez, son ukulélé, ça bue. Il est contente. Boum. Mon ami Sodo. Mais non, elle m'a fait un instrument. Donc attends, tu parles de musicien.
Tu montes dans les aigus. Alors, pas on y va. Take it away, ladies. C'est bon, Juliette. Ouais. Mon amie Sodom, elle est parfois de trop. Mon amie Sodom, moi je l'aime. Nous pas trop. On s'est rencontrés au lycée et on s'est tout de suite adorés. Elle m'a fait faire les 400 coups et moi je lui ai dit I love you. Elle m'a toujours prise comme j'étais. Pour moi, elle sait mettre le paquet. Avec elle, je me mets à nu. Surtout quand elle est dans mon amie Sodom. Elle est parfois de trop. Mon amie Sodom. Moi, je l'aime. Nous, pas trop. Moi, je l'avoue, je l'aime moyen. Avec elle, je me sens pas très bien. Mais comme mon mec la trouve sympa, une fois par an, je fais ma BA. Et chaque année, ça recommence. Je lui fais confiance, je lui redonne une chance. Et à chaque fois, je suis déçue. Et à chaque fois, je l'ai dans mon amie Sodom. Elle est parfois de trop. Mon amie Sodom. Moi, je l'aime. Nous, pas trop. Pour moi c'est simple, c'est un rejet. Entre elle et moi ça se fera jamais. À chaque fois qu'elle se pointe à ma porte, je n'ouvre pas, je fais la morte. Un jour elle est venue sans prévenir. Ça m'a pas trop fait plaisir. Maintenant chaque fois que je recule, moi j'ai bien trop peur qu'elle mon amie Sodom. Elle est parfois de trop. Mon ami Sodom, moi je l'aime. Nous pas trop. Sodom, je te dis à l'année prochaine. Sodom, je te dis à ce soir. Sodom, je te dis à jamais. Sodom, mon ami, au revoir. Oh yes, ladies and gentlemen. Round of applause! Oh, public en délire! Merci! Attends, laisse. Ah, ça manque, putain! Ça manque! T'as bien mon petit jingle? C'est génial! Le Thanks Road, merci! C'est thérapeutique ce truc! Ladies and gentlemen, les coquettes, mon ami Sodo! Yeah! That's fucking great! Johan, le conte, elle est géniale cette chanson! Régis Canon, wow! Quelqu'un, Ibrahim, si Sodo, genre Sodo! Sodo! Ah ouais! Ah, super bien écrite cette chanson, bravo. Merci. Oh, merci. Il y a quelqu'un qui a dit il ne faut pas la sous-titrer. Déjà si, en train de descendre, ne sous-titre pas en l'écoutant. Maxime, bon courage avec les sous-titres. Bon courage. J'ai hâte de voir ce que tu... Ça va être ton plus grand challenge, je crois, là. Une chanson, deux, humoristique. Go for it, I love it. On croit en lui. Trop bien. Les chansons, vous les écrivez comment? C'est quoi le processus d'écriture de tout ça? C'est toutes les trois, franchement. Celle-là, je m'en souviens, on l'a écrite, on était partis dans une maison de campagne et on s'est dit, parce qu'en fait, le problème, c'est que quand t'as la vie à côté, tu travailles, mais t'as toujours plein de trucs à penser. Et on s'est dit, on se barre dans une maison de campagne. 4 jours pour écrire. On va écrire 4 jours et on fait que ça, quoi. Et du coup, on est sortis avec mon ami Sodo, c'est pas mal. Et pas que, on en a écrit d'autres là-bas, en plus. Ouais, mais en fait, c'est vraiment toutes les trois. Il y en a une qui va dire, et si on... Tiens, il y a ça qui me plaît comme thème. Les deux autres qui vont dire, ok, qui se lance, enfin... En fait, par exemple, genre mon ami Sodo, il y en a une qui va dire franchement, ce serait vraiment cool qu'on arrive à faire une chanson classe sur la sodomie, ce serait vraiment super. Ouais. Et après, on cherche un procédé. On se dit angle. Ok, quel procédé, un angle ou un procédé. Ah tiens, si on parlait d'une amie, si on personnalisait la Sodo, c'était une personne, alors du coup, ça nous donnerait l'occasion de chacune donner notre avis sur cette personne comme une espèce de copine qu'on adore ou qu'on déteste ou qu'on tolère de temps en temps. Et du coup, on s'est dit, on est trois, ce serait chouette que chacune donne son avis sur la Sodo. Mon ami Sodo, cette chanson trou le cul. C'est où? Génial. Voilà, Romain Filière. En fait, nous, on essaye, on parle dans nos chansons de plein de choses et on en a certaines qui sont un peu grivoises, comme on dit en français. Je sais pas ce que ça veut dire. Mais ça c'était dans les années 80 qu'on disait ça, Paul, je te rassure. Non, on ne dit plus ça. T'inquiète pas, personne ne dit grivois aujourd'hui. Mais grivois, ça veut dire les chansons. Bah, c'est chanson un peu paillarde. Bon, oui, c'est encore vieux de dire ça, mais bon, c'est une chanson de cul, quoi. Oui, chanson de cul, chanson coquine. Et on essaye d'être jamais vulgaire, tu vois. Ah
Non, c'est bon, c'est Rowley, mais qui va nous rejoindre quelques minutes plus tard. T'inquiète, c'est okay. bon. Paul, tu connais I Stuck in the Wrong Hole. I Stuck in the Wrong Hole. Ah oui, je connais. Bah, ça, alors, nous, chez, en France, on appelle ça un fracanus. Un fracanus. Voilà. Tu connais en langage des signes, ça. C'est une chanson, ça, I Stuck in the Wrong Hole. Non, bah, alors ça, je ne sais pas si c'est une chanson, mais I Stuck in the Wrong Hole, c'est en français, on dit fracanus. C'est quand C'est une pénétration accidentelle dans l'anus. Voilà. Oui, voilà. Mais c'est accidentel. C'est vraiment, t'es pas prévenu, quoi. Mais on ne sait pas du tout. C'est Paul est à l'aise avec ce genre de sujet, donc on lui parle de ça. In mais... the wrong hole. Il est en train de googler. Ouais, c'est, il dit la première chanson. Ah, c'est une chanson. C'est une chanson, donc ça doit être une chanson. Je vais pas la mettre parce que du coup, je vais me faire dégager de YouTube. Bah, en même temps, elle est sur YouTube, donc si oui, YouTube... tu vas dire, t'as utilisé le contenu de quelqu'un d'autre. C'est pas comme TikTok. Non, mais par contre, je vais aller l'écouter en rentrant. Moi aussi. On va faire une chanson française qui va s'appeler Fracanus. Moi, je pense qu'il y a une carrière là. Il ne faut pas la resservir. Mais en plus, t'as bu 200. Mais non, mais je suis pas bourrée, les gars. Je suis tranquille. Non, mais en fait, on ne boit jamais. Donc quand on boit, ça monte. Il y a quelqu'un qui a dit, est-ce que vous êtes toujours d'accord dans l'écriture? Pas la réponse tout. Est unanime. Non. Non, non, jamais. On n'est jamais d'accord. Mais du coup, comment vous faites? Parce que bah, on tue les autres. Mais souvent, dans des groupes, si je pense à mes groupes préférés, c'est souvent, il y a une personne qui écrit. Tu nous compares aux Beatles, là, c'est ça? Parce que si c'est le cas, c'est un honneur. Non. Non, mais en vrai, c'est souvent les groupes, c'est pas chacun son rôle, mais souvent, c'est... je pense à Coldplay, j'ai vu leur documentaire récemment. Et du coup, c'est Chris Martin qui, en fait, lui, il prend la chanson, il a l'idée de la chanson, il l'écrit. Ouais. Et ensuite, c'est souvent lui le parolier. Et ensuite, il donne... lui, il fait une base au piano. Et ensuite, il donne ça à ses coéquipiers pour la batterie, pour la partie basse, pour la partie guitare, etc. Et donc, ils créent la chanson ensemble. Mais c'est mon... Mais nous, en fait, ça tourne, on pose pas. Non, mais nous déjà... Nous, déjà, on compose pas. Donc, on n'a pas chacun un domaine de prédilection. Alors, attends, je te raconte l'histoire quand même. Mon ami Sodo, deuxième spectacle, on écrit des textes et on a quand même envie de savoir comment nos textes chantent. C'est-à-dire comment la mélodie des mots s'entend. Donc, on a envie de savoir ce que ça rend. Donc, je prends Lola prend son ukulélé, elle fait des accords, on cherche des mélodies, on teste des mélodies, mais vraiment, à chaque fois, on se dit, c'est de la merde, c'est juste pour entendre la mélodie. Et on a fait ça pour mon ami Sodo. Et en fait, on s'est dit... on a envoyé ce texte à plein de compositeurs. Et on a trouvé que la meilleure, c'était la nôtre. Et on a trouvé que la meilleure, c'était la nôtre. Donc, on a gardé notre mélodie. Pas la seule. Il y en a une autre dans le spectacle qu'on a composé. Donc, maintenant, on est compositrice. D'accord. Donc, tu vois. Donc, oui, le texte que vous écrivez, quand la question a été posée, est-ce que vous êtes d'accord sur les textes, et vous avez dit non, non. C'est l'écriture des paroles que vous n'êtes pas d'accord. Ouais, okay. Non, mais en fait, on se met très vite d'accord quand même. Ouais. Non, mais je veux dire, on discute toujours, on se tire le bout de gras, voilà. Nous, c'est la démocratie totale. C'est-à-dire que si on a une qui dit « je déteste », eh ben, on recommence jusqu'à ce que tout le monde aime. Alors parfois, je te cache pas que... On se bat pour nous aider. Quand toi, tu aimes beaucoup, t'essayes de convaincre. Il y en a une qui demande si on fixe des limites. Je pense que la seule limite qu'on a, enfin, il y a la vulgarité à nos yeux, parce qu'il y a des trucs qui ne sont pas vulgaires à nos yeux, qui le sont aux yeux des autres. Mais on essaye de ne pas être vulgaire à nos yeux. Et on parle... Pas être insultante. Voilà. On n'aime pas... En fait, on aime bien donner un avis, mais juste à travers nous, et jamais d'insulter quelqu'un ou de dire cette personne ou cette chose ou ce projet est... Et d'insulter les gens, quoi. Mais en fait, c'est une question qu'on s'est posée sur le premier spectacle, où est la limite? Et de ça, de cette discussion, est ressorti un concept qu'on a gardé qu'on avait dans le premier spectacle et qu'on a gardé dans le deuxième spectacle et qu'on a exporté donc sur Instagram. C'est la seule chose qu'on a gardé, et c'est les petites chansons, parce qu'en fait les petites chansons, le refrain est tout le temps le même, c'est mes chutes on n'en parle pas, mes chutes ça ne se dit pas. Et dans le premier spectacle, il y avait des thèmes, on abordait la sodomie. Non, le suicide, pardon, on abordait l'excision. Elle est à fond, l'excision, oui, pardon, excusez-moi, ce n'est pas une requête. L'excision, la pédophilie, les proctologues, les bébés congelés. Tu vois, on parlait de tout ça, quoi, dans des petites chansons très mignonnes. Voilà. Et en fait, c'était ça le sujet, c'était juste dans où on peut aller en chanson. On retrouve un peu sur Instagram. Et maintenant, sur Instagram, c'est vraiment. On a gardé le concept des petites chansons, mais par contre, on traite vraiment l'actu. Alors, si les gens ils vous suivent pas sur Instagram right now, est-ce qu'on pourrait faire une petite chanson? Bien sûr. Une qui est sur Instagram, mais par exemple. Mais alors, moi, je suis complètement d'accord, mais Paul, tu as noté les accords tout à l'heure. Oui, c'est vrai. On fait la chanson anglaise. C'est le moment musicien de Paul. Ladies and gentlemen, Lola m'a appris les accords pour une chanson sur la famille royale, vu que c'était dans l'actualité il n'y a pas longtemps, Harry et Meghan. So here we go.
the Coquettes featuring Paul Taylor. Yeah, yeah. Et c'est quoi le titre de la chanson? God Save Buckingham Palace. I like it. C'est notre premier featuring. Je suis toute émotion. Ah ouais, c'est trop bien. Je lis les commentaires en même temps. Mais non, ça va pas être une catastrophe. Ça va être super. Quel bonheur de vous être rencontré, une vraie réussite. Cette obsession anale, ça sent la thérapie. C'est vrai qu'on n'a pas trop dépassé le stade anal et c'est vrai qu'on aurait besoin d'un petit travail. Mais surtout toi, Marie, franchement, là. Non, mais moi, c'est vrai que j'ai bien un petit il y a quelqu'un qui a envoyé un super chat. Je suis obligé de dire merci juste parce que ça, c'est trop gentil. C'est des gens qui, en fait, sur super chat sur YouTube, ils lâchent de la thune. C'est Lauren Lanham. For the only three capable to get Paul to shut up for more than 5 minutes. Merci Lorraine, merci Lorraine. Lola, t'as compris Lola? Compris. Ouais. Les seuls parce capables que... de fermer sa gueule à Paul. Ouais. Ouais, pendant 5 minutes. Pendant 5 minutes. Donc pour ça. Thank you Lauren, thanks for the super chat. Merci Lorraine. Ouais, merci là, Lorraine. Ça fait au moins 5 bières. Oh, elles sont pas chères. Non, mais toi, tu sais pas. Ça fait longtemps que t'as pas bu de bière. C'est au moins 5 euros une bière. J'ai plus l'habitude de boire une bière dans un bar. Je les achète. Non, t'as déjà bu des bières? Non, mais même une bière que t'achètes au supermarché, ça m'est arrivé. Moi, je t'ai jamais vu boire. Oh, l'autre, elle se donne un genre. Là, et vous... pendant ce temps, Paul révise. Ouais. C'est bon, Paul? Ouais, plus ou moins. Il a la goutte. Si tu veux, je réponds à une autre question. On nous a demandé si on avait déjà fait ce qu'on avait fait comme étude. Je vais le dire très rapidement. Juliette, elle est autodidacte. Olivia, elle a fait une école de jazz. Et moi, j'ai fait une école de théâtre, comédie musicale. Voilà. C'est bien résumé. Ouais, très bien. Ouais, mais on a fait des études. Après, on a pris des. Après, chacun s'est formé dans ces domaines. On a pris plein de cours dans plein d'autres domaines, mais notre axe principal de formation, c'était ça. À l'époque, je chantais du jazz. Du jazz. Du jazz. Est-ce que pour me mettre dans le truc, on peut faire une fois. Ouais, bien sûr. Genre. À vide. Faites une petite ambiance. Pas toute la chanson à vide, mais juste les La première genre... partie, celle qu'on répète deux fois, ok? Ouais. Nous allons vous parler. Juste pour tester le son aussi. Je crois que. Moi, je vous fais une petite ambiance avec ta guitare. C'est ça, hein? Attends, c'est ça? Attends. One, two, one, two, is that ouais, one, c'est ça. On t'entend, oui, mais la guitare. Attends. Ah ouais. Ready? 3, 4. Ils sont en train de réviser leur petite chanson. Paul a très peur, il a la goutte au front, mais il va y arriver. Il se souvient de ses années de solfège, qui sont loin derrière lui. Mais finalement, quel doigté, Paul. Et le ukulélé de Lola n'est pas accordé. Mais c'est si, pas grave, accordé, c'est normal. C'est peut-être ma guitare qui est pas accordée. Non, c'est le ukulélé. Mais c'est normal, au ukulélé. C'est vrai qu'il y a quelque chose qui est faux. Alors attends, mais c'est un carnage. Tu veux pas le temps de m'accorder? Non, moi, c'est... Attends, ça sonne dégueulasse ou pas? Non, c'est le ukulélé, vraiment. C'est, mais non, écoute. Me paraît un petit peu faux, mais les ukulélés. Moi, je réponds aux questions en attendant. Il y a Linda qui nous a demandé si la comédie musicale c'était une bonne école. C'est une très bonne école parce que c'est vrai. Complet. On apprend à chanter, à danser, à faire des chorégraphies. Alors qu'on n'est pas danseuse, à jouer aussi. Et à jouer des shows de 2h30 6 fois par semaine. Donc on devient des athlètes de haut niveau. C'est hyper formateur, tu t'es dans une troupe, donc t'apprends aussi le partage, l'écoute. Il y a une question aussi, un truc à refaire, vous changez quoi les coquettes? Bah Lola. Alors moi Juliette. Non. Moi personnellement je change le Covid, je change l'année 2020 et je passe direct à 2022. Orion comme ça dit, on est tranquille. Le ukulélé n'est pas accordé. Voilà, merci. Non mais parce que les ukulélés se désaccordent en 2 minutes. Je l'ai accordé. Évidemment. Est-ce que c'est relou? Je le réaccorde. Non, vas-y. Réaccorde. Ouais, je t'en supplie. Sinon, ça va être un carnage. Quel instrument aimeriez-vous maîtriser sur le bout des doigts? Franchement, moi, j'aimerais bien maîtriser vraiment bien le piano. Je m'y suis remise. Mais bon, c'est pas. Voilà. Moi, je sais ce que j'aimerais maîtriser, c'est de la beatbox. J'adorerais faire des trucs genre. Ouais. Oh, pas mal! Et si je mets l'or, il est dans la place. Peut-être qu'au lieu de jouer de la guitare, je fais du beatbox. Mais de ouf. Alors attendez, silence, 2 secondes, j'accorde. Non, mais ce que tu n'as pas compris, Paul, c'est que toi, tu es super là jusqu'à maintenant. C'est le coup qui est faux. C'est pas de ma faute. Attendez, silence. Hop. J'arrive pas à accorder, vous faites trop de bruit. C'est pas du jeu si vous dites hop. L'expert ukulélé valide. Ouais, who cares? Let's do it. Okay. Ouais, mais vous faites des hop, mais c'est injuste. On nous a demandé de nous taire. Non, franchement, c'est pas du jeu là. Moi, je. Arbitre, c'est pas possible. Ah, ça, c'est drôle. Tony Aquino, hein. Les coquettes et le coquet. Ouais. Et le coq. Coquet, ouais, c'est ça, ouais.
The Coquettes and the Cock. Oh. On y va, Paul? Yeah, let's do it. 3. Ah, Buckingham. Bah, oh, toi, tu commences et puis je te suivrai un peu. Faites une petite okay, ambiance. Mais parce que d'ambiance. Ça, t'es trop... Ah, d'accord, on commence. C'est beau. La Royal Family avait peur que le bébé de Meghan et Harry naisse un peu trop foncé. Quel bel élan du cœur de protéger l'enfant. La vie n'est pas facile quand tu n'es pas né blanc. Demande à George Floyd, il pourra t'en parler. Oh bah non, je suis con, il ne peut plus témoigner. On est mieux entre blancs à Buckingham Palace. Un petit noir ça ferait tâche au milieu des fins de race. Mais chut, on n'en parle pas, chut, ça ne se dit pas. Yes! Bravo, ladies and gentlemen! Oh. Les Coquettes featuring Paul Taylor. J'adore, trop bien. J'adore ces accords. J'ai raté deux accords, mais je ne sais pas jouer. Non, donc, non, du mais coup, tu nous as donné une petite rythmique qui nous a fait un petit peu accélérer, ça, certes. Mais c'était super. C'était génial. Good work. Good work, good work, good work. On va t'engager, hein, tu sais, on n'est pas à l'abri. Ouais. Another question for you. Yeah. Okay. How is your English? Terrible. Not bad. Juliet is the best. Well, I don't know. Marie thinks that she's the best. No. I said it's Juliet. I'm sorry. I noticed that you all laughed at the joke about me shutting up. Yeah. So you understand something. Yes. Well, Lola, you. Si, j'ai compris, mais avec un peu de décalage. Because we watch series in English. You watch series in English. Okay. Yeah. Like every French girls. I have a challenge that I have every week on the show. Okay. I ask the audience to share their favorite English expressions. And then we see if you understand them. We translate them literally into French. And then we find the real French equivalent. Okay. So ladies and gentlemen. Share it, please. It is time for the segment of the show called Express Yourself. And I have a jingle as usual. Let's go. Oh, you've got something interesting to say, do you? Well, go on, say it. Say it in English, dis-le en français, and we'll see if it's interesting. I do need to update that jingle, parce que c'était quand j'étais tout seul, et maintenant, il faut que je réenregistre les voix des jingles. Non, je les adore, moi, justement, je les trouve super. Tu veux qu'on te fasse des cœurs? Ouais, mais c'est juste que ça n'a pas plus de sens, parce que quand j'étais tout seul à la base, c'était genre, hey, envoyez vos expressions françaises ou anglaises, et dans le jingle, je suis genre, ouais, parlez-moi en français, or in English, machin. Là, c'est qu'en anglais, parce que... Bah, ça, c'est parce mais que du coup, j'ai pas non, compris. Parce que ça fonctionne pas, parce que si j'ai un guest anglais, on va faire en français. Doesn't matter, c'est pas grave. Right, here we go. Number one, I'm choosing Oliver Hobson. The best thing since sliced bread. Alors, littéralement. La meilleure chose depuis le pain coupé en tranches, le pain qu'on coupe en tranches à la boulangerie, quoi. Ouais, alors. Alors, l'équivalent en français. Bah, est-ce que vous, déjà, vous savez ce que ça veut dire? Non. Est-ce que vous pouvez deviner ce que ça veut dire? Je vais donner dans un contexte. The Coquettes are the best thing I've seen since sliced bread. Bah, on déchire, on est trop génial, quoi. Ça veut dire ça. Ouais. C'est ça que ça veut dire? Ah oui, ok. on est the best thing. Genre depuis qu'on a inventé le pain coupé en tranches, on n'a pas fait on mieux. On n'a pas inventé mieux. On n'a pas inventé mieux, on dirait en français. Il n'y a pas vraiment une expression pour dire on ça. On n'a pas fait mieux. C'est ça, en gros, on n'a pas fait mieux depuis le pain coupé en tranches. Dès qu'on a inventé, parce que les Anglais, on mange beaucoup des sliced bread. Oui. Enfin, vous vous foutez de notre gueule avec le pain demi coupé. Bah, votre pain, il est pas bon. Excuse-moi. Qu'est-ce que c'est ça si c'est pas du pain coupé? Alors. Non, mais franchement, la vérité, quand tu vas en Angleterre, le pain, il est pas bon. Bah non, mais la baguette, vous ne connaissez pas. Personne, d'ailleurs. C'est pas possible. All right, you did good. Okay cool. Vas-y, encore, vas-y. J'en ai vu une hyper dure que je connais pas du tout. Alors, si tu connais pas, vas-y. Close, but not cigar. Oh, close, but no cigar. OG Mac, Carlos Camejo. Lui, il a inversé son nom aussi. Close, but no cigar. Fermé, mais pas de cigare. Pas compris. Cigare, c'est genre le cigare... Cigare, c'est ça. Ah oui, mais il n'y a pas d'autre cigare que du cigare. Bah, en français, si, il y en a un autre, mais je ne pense pas que ça soit celui du close, français. Close, but no cigar. Alors, toi, tu as dit close, genre dire... fermé, mais close... Ah, ça serait closed. C'est ça, pas... ce serait closed. Avec ferme, un ferme, mais... Ah, ferme non, ta bouche. Non, non. C'est quoi l'autre mot close? Ah, prêt, proche. Proche, proche, but no... proche. Pas de sodomie, c'est ça que ça veut dire? Oh non! Non, attends, le cigare en français c'est le caca. Donc si c'est ça. Non, non, non. Non, c'est pas ça. C'est pour ça que t'as pensé mais... sodomie. Bah oui. Non. Parce qu'il y a une expression française qui prêt dit. Pas trop, non? En fait, ça veut dire. Laisse un espace de cigare entre nous, quoi, c'est pas ça? C'est une distance. En fait, c'est la distanciation sociale.
en 2021, tu vois, c'est genre c'est un cigare c'est entre genre, nous. Quoi. Dirty Dancing, non, ton espace de danse, mon espace de danse. Non, ça veut dire presque, t'as presque réussi, mais. Ah, ah un, nous, c'est un poil de cul. Un poil de cul. C'est vrai ouais, arrête. Ouais. Poil de cul. Ouais. Non, attends, en vrai, tu dis. T'étais à ça près. T'étais à ça d'y arriver. Mais on peut dire aussi, ah là là, j'y étais, mais à un poil de cul, quoi. Non, mais c'est vrai qu'en vrai, tu dis pas trop poil de cul. Tu dis. Si, c'est quand tu dis ça à tes potes, tu dis putain, mais là, on y était à un poil de cul. Mais tu dis pas ça. À ta responsable. Voilà. Ah bah non. Ouais, tu dis pas oui, alors cette année, dans les chiffres. On était un poil du cul du succès. Pas trop là, on était un poil de cul de faire le chiffre de l'année. Non, alors en ça. Q3, on a presque. Putain, ouais. On était un poil de cul okay. d'avoir des vaccins pour un, tout le monde. Un poil de cul. I love it. Right. Okay, let's have a look. Le cigare au bord des lèvres, oui, c'est ça en français. Oui, mais, ça, c'est, mais ça, c'est quand t'as un truc à dire et tu. Non, ça, c'est quand t'as très, très, très envie de parler. Ah, vous êtes tellement vulgaire. Bah, c'est la vérité. Okay, right, all right. What else do we have in English? Let's do it's two no more. It's no skin in my nose. Attends. I'm trying to find one. To get your knickers like in a twist. Oh, I like it. T'es où là? Oh yeah, France, Albion. To get your knickers in a twist. Go. La traduction française, littérale, c'est quoi? Alors attends, parce que moi, le knickers... Dans un, to get... Le knickers, moi, pour moi, c'est un pantalon. Moi, c'est les genoux. To knick, c'est un pantalon à velours côtelé que tu mets au ski. Tu mets les knickers. Non. Ce serait drôle. In a twist, c'est dans une contention. Ah, un tour, un twist. C'est les genoux, non, c'est pas ça. Moi aussi, un tour de passe-passe. C'est les genoux, knickers. Non. C'est un passement de jambe. Alors, c'est drôle que vous connaissez pas, parce que quand on a... When you spoke English, you spoke really good English. Uh-oh, my computer's gone. Knickers is women's underwear. Oh. Oh, à la mode, je savais pas. C'est des sous-vêtements. C'est ah, mettre tes culottes à la machine à laver. Non, c'est que to put your knick, to get your knickers in a twist. Essorer tes culottes. Ouais, pas essorer, mais littéralement, ce serait de prendre tes culottes et de les emmêler. Mais pour pourquoi faire dire, alors, c'est, alors maintenant, ah bah, ma question, c'est qu'est-ce que ça veut vraiment dire cette expression? Quand est-ce qu'on l'utilise? Ça, quand on, tu ferais bien de balayer devant ta porte un peu pour nous, non, c'est pas ça? Tu ferais bien de nettoyer ta réputation, c'est pas ça? Ah, non. Non, nous on dit balayer devant sa porte, mais c'est pas ça. Ouais, se sortir les doigts du cul? Mais Juliette, Juliette! Mais quoi, c'est non, une mais expression? Attendez, non, mais on ne. Non, alors. Mais c'est trop. Une expression? Non, mais. Oh, j'ai craché. Don't get your knickers in a twist. Ce serait. Attends, je donne un exemple. Il y a du monde dans ta culotte? Bon, bah toi, attends, moi j'ai pas le droit de dire sortir le taux du cul, toi t'as dit. Franchement. Venez me chercher, help, please, please. I'm scared. Le contexte, don't get your knickers in a twist, ce serait genre, je suis en train d'organiser ce live avec toute la technique et tout ça, et puis je commence à m'énerver, et puis Paul, stop getting your knickers in a twist. Stop. Ah, ne te contrarie pas, ne te mets pas la rate au courbouillon. Ah, ouais, c'est la rate. Ne te mets pas la rate au courbouillon. Alors, la rate, c'est quoi? La rate, c'est vers le foie, c'est un organe de digestif. C'est une vieille expression, nous on dit ça et on adore l'utiliser avec les filles, on dit toujours, bon, allez, on va arrêter de se mettre la rate au courbouillon, là. Te fais pas de soucis. Je visualise bien cette expression dans vos réunions d'écriture de chansons. Très souvent. Hey, stop getting your knickers in a twist. Ouais, c'est vrai. Est-ce qu'en anglais aussi, c'est une expression un peu vieillotte? Knickers in a twist? Ouais, oui, mais ça s'utilise quand même. Ok, comme nous. Comme la rate au courbouillon. La rate au courbouillon, c'est quand même vieux. Hein. Ouais, mais on le dit des fois, c'est un peu stylé quand tu dis All right, let's do one more. Let's to do get cold feet. Amélie, last one. To get cold feet. To get cold feet. Bah, pieds froids, mais to get, c'est quoi? C'est... Avoir les pieds froids. Est-ce que c'est pas genre avoir le nez creux? Genre, tu... Avoir le nez creux, c'est genre... Avoir une bonne intuition? Non. Les pieds froids. Avoir le nez creux, c'est genre, je me suis plantée. J'ai cru qu'il y allait ça qui avait arrivé. Lui, il a vraiment les pieds froids. Ça doit être quelque chose qu'on dit à quelqu'un pas très gentil, non? Genre radin non. ou non? Non, je donne un exemple de contexte. Je dis en anglais. I invited les coquettes to happy hour live, but in the end, they got cold feet. Elles sont pas venues. Exactement. C'est le nez creux. C'est avoir le nez creux. Ah non, avoir le nez creux, c'est avoir une intuition. Bah oui. C'est plus poser un lapin. Ah, poser un lapin. Ce serait l'équivalent de poser un lapin. C'est genre, c'est souvent utilisé dans le contexte de mariage. Genre, on allait se marier. Mais en fait, ça s'est pas fait. Il a cold feet et ça s'est Elle a posé un lapin, elle n'est pas venue, elle s'est désistée. Mais il n'y a pas un poser un lapin en anglais? Tu dis pas, il n'y a pas une expression pour dire poser un lapin? Ouais, il y a to stand somebody up. He stood me up. Ah, il ça, m'a posé ça, un lapin. Ouais. She stood me up. Elle m'a posé un lapin. Mais ça aussi, c'est genre, tu te retires du truc. Ouais. Genre, t'avais froid au pied, donc t'es parti.
D'accord, ok. Je sais pas, c'est le truc visuel. Ah bah on apprend des trucs chez Poltella. Franchement, c'est pas mal. Hein. Ouais. Bien joué. Tu me fais le petit bel aise, là, le petit. Ouais, moi aussi, je commence à être... Cool. Je vais c'est dégonflé. Exactement, nous, en français, on peut dégonflé. Dire ça aussi. Dégonflé, ouais. Exactement. Exact. Bah, continue à répondre aux questions. Je vais rechercher un refill des bières et puis on va parler avec mon pote Rolly Assal au Québec pour apprendre du québécois. Ah ouais, trop cool. Yes. Quand tu te fais plaquer à l'hôtel, quoi. Oui, c'est ça. Non, mais attends, j'aurais bien voulu voir d'autres expressions, du coup, au-dessus. Alors, attends, je vais tenter un truc. Attends. Ouais, vas-y. Oh, bravo, je prends les commandes de l'émission. Don't judge a book by its cover. Ça, bah oui, ça c'est pareil en français. Il ne faut pas juger un livre à sa couverture. Mais je ne la vois pas. Ici, mais t'as entendu. Regarde, don't judge a book by its cover. Il ne faut pas suivre les apparences en français. Ah, ouais. Ouais. Oui, c'est ça qu'on dit d'ailleurs. On dit pas. Faut pas suivre aux apparences, mais tu peux dire aussi ne juge pas un livre à sa couverture. Merci, Paul. Don't count your eggs before they. Ne pas vendre la peau de loutre avant de l'avoir tué. Ouais. To kill two birds with one stone. Two birds with one stone. Ça voudrait dire quoi? Tuer deux oiseaux avec une pierre de coup. C'est ça? To kill two birds with one stone. Yes. C'est ça, c'est une pierre de coup. Ah ouais, pas mal. Ok. Ça, tu l'as lu. Cock and bull story. Story. Oui. Cock and bull story. Cock, c'est pas le. C'est la bite, non? C'est la bite. C'est la bite. Dans ce contexte-là, c'est un coq, quoi. Un vrai coq. Un coq. Un coq. Non, mais en fait, t'es hyper fort en bruitage, quoi. La flûte à bec, la poule, je suis impressionnée. Let's play it by ear. Let's play it by ear, c'est à l'oreille. Play it by ear, ça veut dire. On y va. Cette émission, c'est très. Ah, we'll play it by ear. Un peu, c'est pas à l'arrache, mais c'est. On y va au pif. Au feeling. Ouais. Ok. Go on a wild goose chase. Goose chase, that's a good one. Aller dans le vent. Sauvage. Goose, c'est quoi goose? Goose, c'est les oies. Ah, oh! Franchement, faut que tu te reconvertisses en bruitage de documentaire, je crois. Go on a wild goose chase. Wild goose chase. Une course sauvage avec des oies? C'est ça? Ouais, en gros, ça veut dire. Moi, le seul contexte où j'ai utilisé cette phrase, où j'ai entendu, c'est dans le film Die Hard. Oui. Piège de cristal avec Bruce Willis. Ouais, ou à un moment donné, je crois que c'est le policier, le black, qui fait. Is this a wild goose chase? Genre, est-ce qu'il nous fait courir pour rien? Ouais. Est-ce que c'est un peu un. Attends, qu'est-ce que ça pourrait être en français? Oui, ça c'est un peu ce que t'as dit. Hein. Je sais pas s'il y a une phrase. Une illusion. Enfin, ouais, c'est un peu une illusion, rien, c'est ça. Ouais. Perdre son temps. Yes. Ouais, il nous fait perdre son temps. Ok. Donc, on a fait l'anglais. J'adore ce jeu. On a fait l'anglais. Est-ce que en québécois vous êtes calé ou pas? Mais pas du alors, tout. On est nul. Mais moi, j'adore faire l'accent, mais je suis nul. Ben tabarnak, j'adore le faire. Et ben, on va voir ça avec mon pote humoriste qui s'appelle Rowley. Il est basé au Québec. Il est sur l'émission tous les lundis parce que. Parce qu'il n'a rien d'autre à faire. Parce que là-bas, il y a le Covid aussi. Il y a le Covid. Je ne sais pas si tu es au courant, mais c'est mondial. C'est mondial. Ah, c'est pas que en France. Ladies and gentlemen, it's time for C'est quoi en québécois. Québécois. Ça va, finale. Calice de marre. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je comprends rien. All right, ladies and gentlemen, let's get Rolly Assal on the show. Let's add him to the left-hand side of the screen. On va regarder, vous allez nous voir regarder en bas parce que Rolly, notre écran, il est en bas. There he is, Rolly Assal, ladies and gentlemen. Oh, quelle entrée! T'as vu, quand même, hein? Canon. Non, mais une entrée de fou, ça va? Incroyable. Ça va et toi? Ben oui, ça va. Enchanté de faire votre connaissance. Ben nous aussi. C'est comment la vie au Québec en ce moment? Ah, c'est tranquille comme de l'anal, là, je sais pas. Alors attends, première expression, c'est tranquille comme de l'anal. Non, mais je sais pas, c'est votre thème, c'est le thème du live aujourd'hui, c'est tranquille c'est comme l'anal. Je me rends compte qu'on va, ben, on va rester gravé dans les annales, j'ai envie de dire. Oh, voilà. Merci, vous avez vu la photo sur son ordinateur derrière lui? Ouais. Je me suis fait chier dans Photoshop pour vous mettre les trois à côté. Mais t'aurais pu nous demander parce qu'on l'avait plus ou moins celle-là. Bah en fait, toi, c'est... Tu serais moins... Oh. C'est,
c'est Rowley qui fait le thumbnail. Ouais. Parce que moi, je suis nul en Photoshop, donc ouais. Je lui envoie les trois photos que vous m'avez envoyées. Et c'est lui qui a créé le petit visuel. Donc lui, il avait que les trois photos séparément. Je te remercie de m'avoir mise au milieu. J'ai vu que j'étais un petit peu... Ça me fait plaisir. Je savais pas, hein. Je savais pas qui... Je savais pas c'était qui le boss, ouais. Donc j'ai mis le bon. Voilà, c'est t'as moi. Choisi la plus charismatique. Qu'est-ce qui se passe? Les présentations, en fait. Les noms de gauche à droite, pour pas que je me mélange, alors... Juliette. Lola. Juliette. Et Lola. Marie, comme la Vierge. Juliette, Lola, Marie. Juliette, Lola, Marie. Donc c'est Juliette qui s'est pas sifflée, c'est ça? Et moi, c'est Stéphanie. Ah ouais, je sais pas siffler, le son je de Rolly, Calice de Christ. De Saint-Cyboire d'Ostie. Ben écoutez, il faut boire à votre... Ah. Faut que je boite le son. Baisse le son. Je te baisse toi d'ici, Rolly. OK. Rolly is too... Rolly, you're too loud. All right, thank you. Thank you, everyone. Technical Taylor's back. Donc, je bois à votre santé, moi aussi. Qu'est-ce que tu bois à votre santé? Donc, vous m'avez inspiré pour boire probablement le meilleur gin au Québec. Vous m'avez inspiré parce qu'il s'appelle... les herbes folles. Oh. Ah. Tu sais que et pour moi, vous êtes... pour moi, vous signifiez la folie, mais de la belle folie. Donc, je bois ça à votre santé, les filles. Bah, tu sais, moi, j'ai eu une énorme cuite et elle était au gin. C'était la plus grosse de ma vie, donc je suis contente elle que s'en souvient, parce qu'elle en a eu qu'une. Bah, j'en ai eu vraiment. Ben oui, voilà. Tu sais, je suis une petite joie, j'en ai qu'une. Ça fait trop plaisir, je trouve, de parler avec quelqu'un qui est si loin. Qui est si loin, c'est ouais. Trop ouais. Bien. À la tienne, santé. Rowley. Est-ce cheers, que c'est, Rowley. Mieux, c'est mieux le son de Rowley? Ouais, on dit cheers en Québec ou on dit autre chose? On dit santé, non? On dit cheers, on dit santé, on dit boy callis. On dit boy callis, ça me plaît. Boy callis. Boy callis. les filles, j'ai préparé un petit quelque chose pour vous. Question de s'adapter au Québec, mais de la bonne façon avec vous. Ouais. Avez-vous le goût de jouer de la musique? Mais tellement. Mais tout à fait. Juliette. Tout à fait. On a tout ce qu'il faut. On a toutes les merveilleuses imitations. On a tout ce qu'il faut. Je ne sais pas si Paul vous a parlé de quoi que ce soit, mais normalement, non, on garde ça secret. Non, c'est une surprise. Non, on ne sait pas. Aujourd'hui, on va s'amuser, les filles. La dynamique va être très cool. Alors, ce que j'ai décidé de faire, j'ai décidé de vous faire chanter des musiques québécoises. J'ai les paroles de trois chansons québécoises. Okay. Et je vais vous lire le refrain. Je ne chanterai donc pas la chanson. Vous devez, en fonction du refrain et des paroles, deviner quel est le rythme de la musique et quelle est la musicalité. Vous improvisez. C'est deux lignes ou deux à trois lignes du refrain. Je vous les lis. Et ensuite, après que vous avez joué votre interprétation, je vais vous chanter l'original avec son air original. Alors attendez donc, les filles. On a fait la chanson, on a fait le même exercice avec Yacine Bellous. Lui, il jouait de la guitare et en vrai, il improvise le rythme et il essaye de chanter avec les paroles à l'écran. Alors c'est très facile quand tu es seul, mais quand tu es trois, t'imagines bien que moi je vais penser à une mélodie, Lola va penser à une mélodie, Marie va penser à une mélodie. On va faire chacune notre tour. Il y a trois chansons. On va voir. Écoutez. Quelqu'un va jouer, non? Tu vas jouer. Tu joues en même temps comme ça, c'est toi qui mets le rythme. Le problème c'est que sur un la, en fait, on peut chanter 1000 trucs différents. Je pense que Lola a pas tort, peut-être qu'il faut faire chacune notre tour. Moi je dis chacune notre tour, sinon c'est la même. Moi je dis déjà donne-nous les trucs. Tentons version 1 et si c'est nul, et ben... Non, mais moi je crois qu'il y en a une qui va peut-être commencer et qu'on va se joindre à elle. Tu vas voir. Ok, vas-y. Rolly. Tu vois l'harmonie déjà qui s'installe chez dis Paul que c'est une bonne idée. C'est le bordel. Non, c'est toi qui commence. Non, ta gueule, c'est moi qui commence. Oui, vous deux, vos gueules, c'est moi qui chante. D'accord, moi je suis prêt, je suis content, je suis excité. On adore jouer, nous. Vous êtes chaude. On va tout donner. Okay. Donc je vais mettre les paroles dans le chat. Les paroles vont vous apparaître. Génial. Et je vais les lire avant que vous les chantez. Ça vous va? Ok, ouais. Donc voici pour la première chanson. Tu l'envoies dans les commentaires et puis je le mets à l'écran. Ouais. Alors c'est pourquoi t'es dans la brume? Pourquoi j'ai cessé d'exister? Pourquoi t'es devenue brune? Pour qui veux-tu me laisser tomber? Alors les filles, c'est à vous. Ok. J'y vais? Pas trop grave. Hey, limite, vous pouvez juste reprendre... Ça va être un bordel. Tiens.
Je sais pas, bref, je vous laisse. Pourquoi t'es dans la brume? Pourquoi j'ai cessé d'exister? Wow. Pour qui t'es devenue brune? Pour qui tu veux me laisser tomber? Ok, on va faire chacune notre tour, c'est impossible de suivre. Non, mais fais une. Mais non, mais fais un truc! Hyper dur. Pourquoi t'es dans la brume? Pourquoi tu fais un rap? Mais t'as changé d'idée, mais t'es pas une rappeuse! Mais non, mais parce que je vois un. Je t'explique, je vois un wow. Je crois que c'est un truc là. Wow. Ça peut être wow. Donc toi, tu vois wow. Je sais pas, je le sens genre vibes. Ok, moi je pense qu'on va te dire chacune ce qu'on imagine. Pour ses parents. Ok, vas-y. Moi, ça me va, hein. C'est vous qui décidez. Vas-y, Juliette. Pourquoi t'es dans la brume? Pourquoi j'ai cessé d'exister? Wow. Pour qui t'es devenue brune? Pour qui tu veux me laisser tomber? Yeah. Tu vois, toi aussi, t'as fait un peu R&B. R&B, c'est pas du rap. Vas-y, okay. Moi, joue, je te suis. Vas-y, joue. Fais quatre accords. Je te fais un piège, j'en ai rien à foutre juste pour gagner. Mais non, mais tu veux dire. Il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de gagnant. Lola, elle est genre, j'ai envie de gagner, il n'y a pas de compétition. La rageuse. Pourquoi t'es dans la brume? Pourquoi j'ai cessé d'exister? Pour qui t'es devenue brune? Pour qui tu veux me laisser tomber? Oh, come on! Attends, wow! Elle était très bien accompagnée. Attends, j'ai super bien suivi. Voix. Voilà. Eh hey, non, mais ça, je sais que ça fait longtemps que vous en avez pas eu, mais ça, c'est un standing ovation. Je suis désolée. Ouais, merci. Wow, les filles. Wow. Je pense qu'on va changer l'original. Eh bien, voulez-vous l'entendre? Ah oui, avec grand plaisir. Ah oui, ouais, il faut qu'on entende la version. Mais ça, c'est un truc. Paul, on fait comme on a fait d'habitude. Je fais jouer la musique près de mon micro, mais je chante par-dessus pour les droits d'auteur. Donc, et je chante très mal. Mais ça, c'est votre problème, c'est pas le mien. Alors, et c'est mon groupe québécois préféré que j'écoute depuis les années 1990. Comment s'appelle-t-il? Alors, dans 3, 2, 1, ça s'appelle Les Bébés. B, comme les bébés, bébé, mais juste les deux lettres bébé. Et le titre de la chanson, c'est « T'es dans la lune », et ça va comme suit. Pourquoi t'es dans la brume? Pourquoi je cessais d'exister? Pour qui t'es devenue brune? Pour qui veux-tu me laisser tomber? Voilà! Attends, on n'était pas bravo, si loin. Bon, à part Lola qui a rappé, mais on n'était pas si loin. Non, non, c'était merveilleux, en fait. C'était merveilleux. Oh là là, on y va pour la deuxième? Yeah, let's go, rolling. J'adore ce jeu. Je mets ça tout de suite dans le live, dans le chat. Alors, ça va comme suit. Dis-moi qu'on est deux, ma belle, qu'il y a ta voix qui m'appelle. Dis-moi qu'est-ce qu'on va faire. On fait l'amour, on fait la guerre. Les filles, c'est à vous. Il faut qu'on soit plus enjoué. Ça sent la country music un peu. Dis-moi qu'on est deux, ma belle. Qu'il y a ta voix qui m'appelle. Dis-moi, qu'est-ce qu'on va faire? C'est l'amour, pas la guerre. L'amour, attends, il a dit. La guerre. Il a dit l'amour, pas la guerre. L'amour, pas la guerre. Nice! Yes, bravo! Nice, I love it! Oh. Et moi, j'avais plus un truc genre, dis-moi qu'on est de ma belle, qu'il y a ta voix qui m'appelle. Dis-moi qu'est-ce qu'on va faire. On va faire l'amour, pas la guerre. Mais si, on fait la guerre! Ben écoute, je prends cette énergie et ce BPM que j'augmente et ça donne ça. Dis-moi qu'on est deux, ma belle, qu'il y a ta voix qui m'appelle. Dis-moi qu'est-ce qu'on peut faire. On fait l'amour, on fait la guerre. Putain, mais on siffle pas, en fait. Ça siffle pas du tout. Non, on siffle pas. Je l'ai fait juste pour toi, en fait, pour rire de ta gueule. J'adore. Parce que je savais que t'allais faire... Il y a quelqu'un qui dit un truc de cow-boy, ça sent la sodo au coin du feu. Elle est faite, dernière chanson, vous êtes prêts? Un peu plus difficile. Un peu plus difficile. Okay. Ça va? Je copie les paroles. Mets-le en commentaire, parce que là, ça a pris du temps. Mets-le maintenant en commentaire avant que tu commences à le lire. Okay. Parce que comme ça, je peux le mettre à l'écran. Ce jeu, c'est trop bien, j'aime ça.
Oh. C'est là, prépare tes accords. Bah ouais, mais bon. Moi, je trouve super. Ok. Et j'y vais, les filles. Donc, la chanson va comme suit. Je suis né dans les années 70 dans un Québec en plein changement où l'emblème de la fleur de l'île donnait un peu d'espoir aux gens. Mais quand okay, je regarde ça, ça aujourd'hui, je suis donc bien fier de ma patrie. Ça dort au gazin bungalow, le cul assis sur le statu quo. Alors voilà, ça c'est la troisième chanson. Ok. Qu'est-ce que tu racontes? Moi je pense qu'on peut en faire un truc hyper lent, tu vois. Non, mais un truc les, un peu, les, filles, les filles, c'est une blague. C'est une blague. Même moi j'ai de la difficulté à chanter. C'est une blague. C'est une blague. Les filles, vous étiez. Ah ben moi je suis prête à chanter cette. Non, bah oui, c'est compliqué, c'est pas vrai. Okay, bien sûr qu'on y va. Vas-y, vas-y, remets-nous les paroles. Non, parce que c'est un défi. Mais tu sais que nous on est. Mais fais un truc mélancolique. Non, pas mélancolique. Il y a que genre 140 caractères ou un truc comme ça. Donc il y a que. Ah mince. Ben fais-le en deux. Ah mince. Ah oui, oui. Ah ouais, Rowley. T'es capable de faire ça? T'es capable, là, tu vois l'écran là, ce que j'ai mis là, comme parole, jusqu'à ça aujourd'hui. Toi, tu pensais que c'était une blague, mais ça va pas être une blague là, on va vraiment le faire. Oh contre, boy, moi pour vrai, c'était ma blague du live, mais là, les filles, allez-y à fond là. Alors. Oh merde, attends. Ah merde, attends. Attends, deux secondes, je mets ça, et ensuite. Technical tail, hein. Let me bring this on the screen. Est-ce que. Ah oh, putain, est-ce que ça va faire? Faut que tu nous suives, le mec. Voilà, j'arrive. Voilà. Down. Je suis né dans les années. Alors, maintenant, ok. Oh, je suis né dans les années 70. Dans un Québec en plein changement. Où l'emblème de la fleur de lys donnait un peu d'espoir aux gens. Mais quand je regarde ça aujourd'hui, je suis donc pas fière de ma patrie. Ça dort au gaz dans ce bungalow, le cul assis sur status quo. Yo! Oh yeah! Bravo les filles, oh. Bravo. C'est pas facile. Attends, mais vraiment pas facile vite, comme attends. Chanson. Oh merde. Pardon. Ah, attends, je le remets à l'écran. Pardon. Je t'ai coupé. Alors version vite. J'ai envie de rapper en québécois. Alors. Je suis née dans les années 70 dans un Québec en plein changement où l'emblème de la fleur de lys donnait un peu d'espoir aux gens. Mais quand je regarde ça aujourd'hui, je suis donc pas fière de ma patrie. Ça d'orgasme, dit bungalow, le cul assis sur un statu quo. Dis-lui la vérité, s'il te plaît. C'était pourri. Dis-lui la vérité, elle a un accent comment? Mi bien, mi pas. Non, c'est... Pour vrai, pour vrai. Pour vrai, je donne entre B+ et A-. On n'est pas loin du pas A, mal. En fait. Ok. Mais là, je sais qu'il est 3h13. Est-ce qu'on se donne un 2 minutes pour faire la vraie dernière chanson que je voulais vous... Attends, il est 3h13 chez toi? Non, il veut dire à 15h13. 15h13, ouais. Ah, ok. Ah oui. Non, il est pas le matin, là. Bon, relax. Ok, alors la dernière va comme suit. J'aime ta grand-mère. Je veux faire à ton père plein de demi-frères. Je dirai, j'aime ta grand-mère. Alors moi, ça, les filles, celle-là, c'est à vous. Sur l'air de notre petite chanson. Ok. Alright, I like it. Sinon, aussi, vous pouvez répéter les mêmes paroles. J'aime ta grand-mère. Je veux faire à ton père plein de demi-frères. Je le dirai que j'aime ta grand-mère. Je veux faire à ton père plein de demi-frères. J'aime ta grand-mère, j'aime ta grand-mère. J'aime ton grand-père, je veux lui faire des enfants. J'aime ton grand-père, j'aime ta grand-mère. J'aime ta grand-mère avec ton grand-père. Waouh, on mélangeait ça avec de l'anal, c'est One Hit Wonder, là. Les one hit wonder. Il y a deux personnes qui disent trois accords. Oui, bah écoutez, il y a eu des tubes. Les four chord songs, okay. Tu connais les four chord songs? C'est les meilleurs. No woman, no cry, c'est four chord song, ok? Les trois accords. Mais attendez, je vous explique. Bien... Moi, je ne suis pas une joueuse de ukulélé. Je connais vaguement tous les accords, mais après bon, composer c'est vrai qu'elle en fait direct... souvent les mêmes. Mais, non, mais franchement, c'est pas facile. Est-ce qu'on peut écouter l'original? Je vous donne l'original. Je vous chante l'original avec un peu plus de couplets juste pour vous les filles et la chanson. Va comme suit. Je veux d'un amour qui se passe de commentaires. Je veux refaire le tour en passant par en arrière. Je veux qu'aujourd'hui soit encore plus parfait qu'hier. Et les mains dans les airs, je ne peux plus me taire. J'aime ta grand-mère. Je veux faire à ton père plein de demi-frères.
Je dirais j'aime. Oh, c'est dégueulasse. J'aime ta grand-mère. Oh là là, voilà. Bravo. Rolly sound. Bravo. J'adore ce thème. Legend. Ben, merci beaucoup les filles d'avoir embarqué dans mon délire. C'est les trois accords qui est le groupe préféré. C'est le groupe préféré de tout le monde qui est sur le live présentement. On pensait que les gens se foutaient de notre gueule parce que Lola jouait que trois accords au ukulélé. C'est le groupe de musique qui a fait des chansons basées sur uniquement trois accords, d'où le nom, et qui, ça fait maintenant 15 ans au Québec, qui sont les préférés des Québécois. Je vous encourage à aller les écouter sur Internet. Ah ben on va y aller parce que sur Internet. La chanson qui est connue sur ce live, c'est la chanson Coton Ouaté. Coton Ouaté, ok. Moi, j'ai connu les trois accords avec cette chanson-là. Et puis, coton Ouaté, ça veut dire un sweat à capuche. Ouais. Et en gros, il raconte qu'il fait froid. Et puis, est-ce que je dois mettre un coton Ouaté ou pas? C'est genre le foot à cagoule français? Ouais, voilà. Ah, peut-être, ouais. Foot à cagoule. Foot à cagoule. C'est un peu comme Fatal Bazooka en France, quoi. Ok, génial. Bah, on a découvert un groupe. Bravo, les filles. Merci. Oui, les trois accords, avec plaisir. Roll yourself, thanks for being here. Merci d'être là. Ça me fait plaisir, les filles. Je vais aller suivre vos trucs. Ah, avec plaisir, merci. Regarde. Tous les jeudis, 18h. Enfin, tous les jeudis. Nous aussi, on va suivre. Ça marche. Trucs. Ouais, Rolly Assal. Oui, allez suivre mes trucs. Sur at Rolly Assal on Instagram. Assal. Go follow him. Allez le suivre. Rolly Assal. Je le fais en direct. Je veux que tout le monde ait la preuve. Vous êtes phénoménal, les filles. J'ai bien hâte que vous veniez à Montréal faire votre passage. Mais nous aussi, on veut venir à Montréal de ouf. On veut trop venir. Figure-toi qu'on a fait. On vous attend. 2 ans pour le festival. Ah, pour vrai? Juste pour rire. Ouais, juste pour rire. On vous attend, on vous attend dès que vous pouvez. Ah, tu m'as follow, je t'ai vu. Ouais, on t'a follow. Ah, j'espère que tu vas nous follow back. Ben, je vous follow back for sure. Je vous aime, mes petites folles. Allez. Ah, bisous, Molly. Gros bisous, grand fou. Bisous. Bye. Ça y est, on est parti, là. Wouhou. See you later, Rolly. Salut. Bye. Bye. J'adore. J'ai adoré. Ladies and gentlemen. Ça, ça nous amène à la fin de la première partie de ce live. Arrête, oh non, ça fait 1h20. Ça fait 1h20 qu'on parle. Ouais, de ouf. On a dépassé, mais c'est pas grave, on a eu du fun, comme disent les Québécois. Ah, mais on a eu trop de fun. Part 1, ça fait la première partie. La deuxième partie, ça va être sur patreon.com/pooltail dans 5 minutes, histoire qu'on fasse pipi. Et qu'on mange une part de quiche. Et qu'on mange une part de quiche que Juliette a ramené. On va être trop bourré. Patreon.com/pooltail, le lien, il n'est pas encore là, parce que j'ai oublié de le mettre avant, parce que j'étais trop stressé par rapport à la technique. Le lien, je vais le mettre maintenant sur patreon.com/Paul Taylor, ladies and gentlemen, pour ceux qui ne suivent pas pour la deuxième partie, c'est qu'on vous trouve où? C'est quoi le meilleur moment de trouver votre travail? Instagram, comme on a montré au début? Ouais. Instagram, Facebook, les coquettes off. Et on espère en mois bientôt sur scène. On espère sur scène à Paris et en tournée en France pour l'instant. Ouais, parce qu'on arrive avec notre deuxième spectacle quand même. Un spectacle tout neuf qu'on a joué jamais. Ah, vous l'avez toujours On l'a rodé, mais on l'a pas joué. Et ben, allez voir les coquettes sur scène quand ça reprend. Entre-temps, ouais, c'était Instagram. Il y a le premier spectacle aussi qui est sur Comédie Plus encore, je crois, sur replay. Ouais, trop bien. Sur Canal. Non, sur My Canal, Les Coquettes, Instagram. Et thanks for merci coming, ladies. Merci tout le monde, c'était trop bien. Et puis on se voit dans la deuxième partie Patreon dans 5 minutes. See you after the pee-pee break. See you after the pee-pee break. See you after the pee-pee break. Je crois que c'est une bonne manière de conclure ça. Pipi break. Est-ce que vous voulez pas chanter See You After the Pipi Break? On va faire un jingle Pipi Break. Attends, See you after the Pipi break. Yeah. C'était un peu ringard, mais c'était super. Thanks for watching Paul Taylor's Happy Hour Live. See you dickhead soon for another episode.